Salut les cons. Ouais. Salam Abdeslam. Ouais, on commence en sixième ce soir. Salam Abdeslam a dit aimez-vous les uns les autres. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais c'est tout comme parce qu'il a déclaré ne pas s'être fait sauter hier, il a déclaré ne pas s'être fait sauter par humanité, les gars. Mais quel altruisme! C'est comme si Weinstein disait non, elle, je l'ai pas violée parce qu'elle est trop moche. Ça change rien, frérot. Et il a remis une couche, il a remis une couche en déclarant que les victimes étaient ressorties de cette épreuve plus fortes, plus cultivées, avec une sensibilité. Apprenez en vous amusant avec Salam Abdeslam, les gars. Il s'est pris pour Adibou, le frère. C'est pour ça qu'Adibou, il a un nom d'islamiste. On dirait la tirade du nazi dans OSS 117. Salam Abdeslam, il a déclaré « Ne laissez pas la rancœur foutre et forer. Laissez-moi une chance de retrouver ma famille. N'y a-t-il pas un cœur qui bat sous une ceinture d'explosifs ?» Ah, ça, j'ai rajouté ça. Dans la lignée de ceux qui ne doivent pas se faire sauter souvent, Valérie Pécresse. Ah, si elle ken comme elle parle, c'est sûr que ça doit être compliqué, les gars, hein. Même si t'es tout excité, elle te lâche un « Vous m'avez manqué !» Valérie Pécresse, elle a fait un appel aux dons parce qu'elle est endettée de 5 millions d'euros. Elle a reçu aujourd'hui 34 000 chèques pour une valeur totale, la valeur totale cumulée de ces chèques de 2000 euros, les gars. Tout le monde se fout de sa gueule. Les Républicains, ils ont demandé d'arrêter d'envoyer des chèques de 1 centime. Ils récolteraient plus d'argent s'ils décollaient les timbres des enveloppes. Même Jérôme Carviel a tweeté « Moi, je dois 5 milliards, t'inquiète, ça va bien se passer. » Patrimoine, c'est la candidate la plus riche qui appelle aux dons. Elle devrait être invitée au concert de Resto du Cœur. Hein. Là-bas, t'as que des millionnaires qui demandent à des smicards de donner leur argent à ceux qui touchent le RSA, les gars. C'est une pyramide de Ponzi du pauvre. Bientôt. Ça va, trop d'applaudissements, trop d'applaudissements. Non mais rigolez quand même, s'il vous plaît. Bientôt, ils vont demander aux sans-abri d'accueillir des Ukrainiens dans leur tente Quechua, les gars. Ils pèsent 1 milliard cumulé sur scène, il y a 1 milliard, mais ils lâchent pas 1 centime. Je comprends pourquoi maintenant ils se font appeler les enfoirés, les gars. C'est des putains de raccros. Cette semaine, un terroriste qui dit qu'il fait preuve d'humanité, Pécresse qui dit qu'elle a plus d'argent. Donc moi, j'ai dit à ma meuf, bébé, je te tromperai jamais. Parce qu'apparemment, c'est la semaine des mythos, les frères. Hein, Colin Berry a été condamné pour diffamation après avoir accusé Richard Berry, son père, d'inceste. Mais ça, c'est un sujet très très sensible. Donc on n'a aucun moyen de savoir à qui dit la vérité. Donc je veux pas accabler une victime. Mais mythos. Même lundi, Anne Hidalgo a tweeté, je vous jure que c'est vrai, quelle belle journée de printemps. Mytho, putain. Elle a réussi l'exploit de convaincre encore moins de gens que la veille, les gars. Et Dieu sait que c'était difficile. Et je m'en bats les couilles de me foutre de la gueule des électeurs d'Anne Hidalgo, parce qu'au pire, ils me boycottent. Hein, 1%, les frères, c'est négligeable. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était la chronique.